été enlevée. Mais arrête! Oh, il va me faire tilt! Il y a le truc, retenez ce truc. T'as beau avoir un lance-roquette, t'as beau avoir un deagle, t'as beau avoir un minigun si t'as envie, mon frère, t'as beau avoir tout ça, hein. Moi j'ai une patte à fixe. Qu'est-ce que tu vas dire, ça, frère? Qu'est-ce que tu vas dire? À ce qui paraît, gros, je suis pesé, je vais les baiser, gros, je vais passer devant. Et qui va se ramener à la fête? Je ramène les boîtes à la tête. J'ai cramé à la plage, bande de bâtards. J'aurais kiffé avoir une plage à côté de chez moi, frère. Nous, on a Paris-Plage, mon frère. Paris-Plage. Nous, on a ça, frère. C'est une honte. Voilà, c'est une honte. Regarde, regarde. Ils ont mis un peu de sable. À ce qui paraît, gros, je suis pesé, je vais les baiser, gros, je vais passer devant. Et qui va se ramener à la fête? J'emmène les boîtes à la... Wesh. C'est un peu bizarre, t'as vu? Là, je vois déjà les gens faire ou oh non, pas lui et tout. Vraiment, il faut que je vous raconte. Vraiment, après on passe, tu vois, au stream. En gros, je vous explique. Thomas, il est parti, tu vois. Moi, je stream une heure sur sa chaîne et lui ensuite, il va live. VR, non, tranquille, je vais vous faire du GTA. Je vais aller m'en-RP son perso et comme ça, tout va bien se passer. Bon, alors du coup, là, je contrôle le... je contrôle Selim Brabus, hein. C'est quoi ça dégaine, frérot? Mais c'est quoi cette merde? Mais non! Mais c'est quoi cette merde? On dirait Rocky Valbuena. C'est quoi ça? Oh, attends. Viens, Gouf, jugement bâcheur. J'arrive. Je vais jouer à fond RP. T'es recherché? Mais non, vous en faites pas! Non, les gars, croyez pas que je vais être un trop... Et après c'est sur moi que ça va retomber. Déjà que j'ai cassé sa voiture, s'il vous plaît. Et je parle pas d'ORP. J'ai pas envie de lui niquer son perso et de lui niquer sa vie, frère. Je vais lui niquer son perso sans le voir. Tranquille. C'est à quelle heure le jugement? Bah c'est maintenant là, ça traîne de se faire là. Y'a les flics déjà ou pas? Ouais mais en fait oui non mais ça fait 15 minutes que ça a commencé, bah, elle a dit. On a plus le droit aux entrées. Y'a plus, on peut plus rentrer? Non. Vas-y bah tiens-moi au jeu alors. Vas-y. Vas-y, beau gosse. Je sais comment je vais essayer de voir. Putain, et là, je fais le bâtard. Je change son lien de don et de sub sur ma chaîne. Tout bien. Je deviens riche. Mois prochain, je suis en Gucci. Là, je fais en un stream, je vais faire mon mois de salaire. Ah, vous êtes content? Ah, vous êtes content? C'est une dictature ici ou quoi? C'est une dictature? Allez, viens, petit chien, va, viens. Allez, viens, petit chien. Allez, viens, petit chien. Ferme ta gueule, toi, ferme ta gueule. On a QLE plus vite que ça. Allez. Ah, bien sûr. Vous déchargez des loges de jugement? Ah, vous êtes tous des corrompus. Bande de merde. Sale corrompu de merde, va. Excuse-moi, Fidel Castro, wesh. Allez. Dépêche-toi, trash, là, sors de là, mon vieux. Quel flashball? Quel flashball? Quel flashball? Non, y'a pas besoin de flashball. Voilà. Quel flashball tu me parles, toi? Pas besoin de flashball. Baveur. Moi, votre honneur, je pose une question. Il a été enlevé ou pas, ce bracelet? Monsieur Rivera? Oui, est-ce qu'on peut poser la question à monsieur le commandant? Non, moi je vous la pose à vous. Est-ce qu'il a été enlevé ou pas? Est-ce que vous avez... En effet. Je sais plus qu'il a été enlevé. Mais arrête! Oh, il va me faire tilt! Il y a le témoignage. Mais il y a les rapports des policiers, comment ça? On va même fournir le rapport qui dit qu'ils enlèvent un bracelet? Quand est-ce qu'on vous l'a retiré? Je pense que... Objection, mais non, mais c'est trop, ah, là, c'est... voilà, je me retiens depuis hier, je me retiens, la tête de Wam. Oh là 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 là. À l'époque, il n'y avait pas de juge, moi j'ai repris depuis peu de temps, donc évidemment que votre dossier il tourne, mais maintenant il est traité, donc c'est vrai que vous avez embrassé depuis longtemps. De ce fait, ils sont amis depuis longtemps, comme il a pu nous le décrire durant son interrogatoire, il est allé le rencontrer, faire une balade en moto et se remémorer des anciens souvenirs avec eux. D'ailleurs, ceci est... Ah oui, il est corrompu, c'est bon, frère. Ça sert à quoi de mettre un juge corrompu? Ça sert à rien du tout. En train de me saouler, c'est en train de me saouler. Je le jure sur l'honneur, au nom de la loi, et je le jure sur ma plaque de commandant, qu'elle l'a bien dit à ce moment-là. Moi, maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que le corps de monsieur Billy Gunn a été retrouvé? Est-ce qu'une balistique a été faite? Est-ce qu'une autopsie a été faite? C'est objection, votre honneur. Mais je vous pose une question. C'est une question, c'est pas une objection. Arrêtez de dire objection H24. C'est une question que je vous pose. C'est oui ou c'est non? Aucun corps n'a été retrouvé. Et bah voilà, point barre. Et pourquoi je suis là alors? Mais depuis. Une personne a dit que vous l'avez tué. Et moi, une personne dit que j'ai baisé avec la voisine. Du coup, je vais aller en comparution parce que j'ai baisé avec la voisine. Faut arrêter un peu. C'est ce que tu voulais de toute façon. Je vous ne permets pas de me tutoyer.
Donc, depuis le témoignage de monsieur... C'est normal que je tilt, ouais, y a rien. En fait, ils ont rien et ils inventent des trucs, frère. C'est normal que je tilt, frère. Bien sûr, bien sûr. Par contre, et comme ça, je veux bien. En gros, tu donnes ton avis, mais ta voix compte pas. Ça sert à rien. Oui, bien sûr, je peux donner mon avis, mais je me retire totalement dans le sens où... Moi, maintenant, monsieur le juge, par contre, je veux pas sortir du gouvernement comme ça. Je veux sortir en escorte et aller directement au commissariat. Pardon. c'est ce comment ou quoi dit. Bah écoutez, c'est ouais, va le savoir. Les murs ont des oreilles, monsieur le juge. Ouais, je. Ouais, mais si tu sors avec une escorte, mec, oui, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. De toute façon, il va le savoir un jour ou l'autre. Au moins. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah rien, je suis de bonne humeur, pourquoi? De bonne humeur, donc tu m'insultes, c'est vrai, j'avais oublié. Ah ouais? T'es où? Là, je suis en train d'observer le tribunal. Il se passe quoi au tribunal? Il y a le jugement. De qui? De Bachir. Le jugement de Bachir? Ouais. Pourquoi il se fait juger? Non, mais moi, je suis complètement là. Je sais pas pourquoi il se fait juger. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es dans les caves à vin ou quoi, là? Il y a des bouteilles qui tombent. Maintenant, c'est le 14 juillet en France et je regarde une vidéo du feu d'artifice. Ah, c'est le 14 juillet, d'accord. Ah, ok, ouais. Ok. Du coup, surveille la fille, hein. Attention, hein, surveille la fille. Ah non, mais t'inquiète pas, notre fille, elle est en train de dormir. Ok, bah réveille-la, voilà. Parce que je crois qu'elle a assez dormi. Et on va faire une sortie. Une sortie? Ouais, on va faire une sortie. En famille, c'est en toi famille. Qui proposes ça. On va faire une sortie en famille. Ok. Donc okay. Réveille là et tu me dis quand t'es prête. Ok, ça marche. Super. Je m'en occupe. Une sortie, ouais. Sortie, pas de soucis. Une sortie. Bah, tout à l'heure, bah, du coup. Ok. Eh ouais, frère, moi je vais lui développer sa relation un peu, gros. Sa relation, ça s'arrête à des grosses putes, nique ta mère et tout. Sa fille, ça se révèle, tu seras pas une pute. Nous, on va la développer, sa relation. On va faire une vraie relation d'amour, frère. Un vrai truc de famille. Voilà, la tête. Allez, la télé, on va vous demander de garder une distance d'au moins 5 mètres. Je dirais... Là, en fait, je suis à deux doigts d'insulter je veux rien dire. On a pris 4 ans frais, 4 ans ferme, 2 ans de sursis, 2 ans de... Du coup, vous pouvez m'enlever le bracelet là ou pas maintenant? Bah, attendez d'abord que vous rentrez D'accord. En FD et puis après on vous désactive. Allez, Bédali, un petit commentaire ou pas? Vous attendez lui, il va attendre faire un commentaire. Ouais, justice corrompue, blablabla. Devant la prison, ça marche. Y'a un mec qui m'envoie un message, il me dit tilte pas Minos, j'aurais été toi, j'aurais Alt F4. Tilte pas Minos. Franchement, j'aurais été toi, j'aurais Alt F4 là. Parce que t'es en cavale. Mais d'accord, mais écoutez, moi je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc, retenez ce truc. T'as beau avoir un lance-roquette, t'as beau avoir un deagle, t'as beau avoir un minigun si t'as envie mon frère, t'as beau avoir tout ça hein. Moi j'ai une patte à fixe. Qu'est-ce que tu vas dire ça frère? Qu'est-ce que tu vas dire? Moi j'ai une patte à fixe. Tu crois que si eux ils ont une M4, ils savent pas viser comme Death Gag, et moi je viens de niquer l'écran de Thomas pour coller ma grosse patte à fixe au milieu de l'écran, tu crois vraiment que c'est eux qui vont faire quelque chose? Tant que mon frère, ils vont se prendre une balle de Deagle de plein fouet. Banal. En plus son écran il est parfait à Thomas. C'est incroyable, c'est tout. Pipis, tu me trompes? T'es avec un mec? C'est pas mes vêtements ça, wesh. Ouais, c'est quoi ces histoires là? Viens voir, je vais te montrer. Oh pipis, pourquoi il y a des chaussures qui m'appartiennent pas? Tu veux vraiment faire des spéculations pareilles? Oui, je vais faire. Alors que j'habite ici avec ta fille et avec toi. Spéculation, ces chaussures ne sont pas à moi, je fais du 44, là elles font du 42. Ouais, et du coup? Et en plus c'est de la merde ces baskets. Eh ben tu t'es trompé en les achetant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, j'aurais jamais acheté des baskets comme ça. Moi non plus, crois-moi. Alors, vraiment l'aide. Explique-moi, comment elles ont atterri ici? Je sais pas, c'était peut-être l'ancien propriétaire, peut-être quand t'étais en cavale, je sais pas du tout avec qui t'étais ici dans cet appart. Propriétaire, et quoi quand. Tu te rappelles? Quand t'as un problème. Quand t'étais en cavale? Ah ouais, bah, je suis toujours en cavale, tiens, hein, ça tombe bien. Oh, putain. Ah bah ouais, j'ai 6 millions de dollars sur ma gueule. Tu sais, c'est vraiment. 6 millions de dollars, ça vaut la dot de notre mariage. Hmm, t'as vu ma mère, c'est une chose. T'as vu ma mère? Ouais. Écoute bien, t'as porté le fruit de mon amour dans ton ventre pendant 9 mois. D'accord? J'ai décidé de me marier. Tu sors bien là? Contre le mur. Mais qu'est-ce que tu fais? Contre le mur, allez.
Attends, tu me pointes un Beretta là ? Contre le mur. C'est pas la première fois, contre le mur. Fais pas l'indigné là. Contre le mur, le tableau là, ici. Allez. Ok. Voilà, ok. Du coup. Tu me pointes un flingue ? Du coup. Ouais. Je t'assure que par si contre. Si je te demande. Non. Ah, mais vous êtes tous complices entre genoux, vous passez le mot. Ferme-la. Oh, hey, écoute-moi bien. Je vais te dire un truc. Non, je vais être très sérieux. C'est la dernière fois que tu me pointes un flingue. Mais là, depuis tout à l'heure, je lui parle, je sais pas si c'est notre fille ou si c'est quelqu'un qui est entré par effraction, tu vois, parce qu'elle me répond pas, je suis perdue. Mais qu'est-ce que tu fous ? T'as passé les clés à quelqu'un ? Mais non. C'est notre fille ? T'as porté un gosse pendant 9 mois, tu m'as cassé les couilles à t'acheter des fraises et tout pour que tu pondes un œuf qui se branle les couilles devant le PC ? Réellement ? C'est ça mon sperme ? C'est là où il va ? Oh non ! J'ai des couilles faibles ou quoi à ce moment-là ? Luna, tu m'entends ? Mais regarde, elle réagit même pas à son prénom. C'est pas possible, j'ai craché de la poudre. C'est pas possible. Ah non, c'est peut-être... T'as peut-être demandé une secrétaire, non ? C'est peut-être ta secrétaire ? Non, ça c'est pas ma secrétaire. Surtout, t'es sûr ? Surtout au vu de son physique, c'est vraiment pas ma secrétaire. Pourquoi ? Parce que tu choisis tes secrétaires au vu de leur physique, toi ? Mais tu crois que... Excuse-moi un moment, Pipis, hein. Je vais pas te le cacher, hein. Mm-hmm. Une bonne secrétaire sert toujours à beaucoup de choses. Et non, je ne parle pas de cul. Attention, tu n'es pas cocu. T'es pas une luseuse, Luna. T'es pas une luseuse. T'en es pas une. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je comprends pas. T'es le fruit de mon cœur. Tu ne seras point une loseuse. D'accord ? Tu ne seras pas comme ça. Pas comme ta mère en tout cas. T'insultes notre fille ! Mais tu crois que c'est une bonne éducation ce que t'es en train de faire ? Mais je lui dis que si elle continue à être comme ça, affalée devant un double écran. Il faut accepter ses choix. Non, tu vois, ça c'est une mauvaise éducation. T'es une mauvaise mère. Pardon ? Ose répéter ça. Regarde-moi dans les yeux, Céline, mais répète-moi ça. Mais attends, tu me fais des menaces là ou je rêve ? Moi, je suis une mauvaise mère. Mais tu insultes notre fille. Mais je l'insulte absolument pas. Quand tu lui dis, c'est comme faut si pas devenir disais, une pute. C'est comme... Faut pas que tu deviennes une pute. Faut pas que ma fille ça devienne si une pute. Si tu veux devenir une pute, tu peux, hein. Mais une pute, pas trop. Mais écoute, ma fille, Luna, écoute-moi bien. Tu deviens une pute, je te déchire du livret de famille. Sale pute. Tu crois quoi ? C'est comme ça qu'on les éduque, les enfants. Et moi, le terme loser, pourquoi non, ça te pique autant, Céline ? T'es un loser, Céline ? Parce que... Est-ce que t'es un loser, mots... Céline ? Non, parce que les mots font mal. Par contre, loseuse, ça fait très très mal. Et je connais quelqu'un qui l'a vraiment très mal pris. Il faut que je te parle et il faut que je te dise des choses. Oula. D'accord ? Oui. Et je le dis sincèrement. Ok. Réponse 1, je la quitte. Réponse 2, je la tue. Réponse 3, je sais pas ce que je lui fais. Faut qu'on prenne le temps d'en parler. Je suis d'accord. Alors, je voulais savoir ton ressenti. Sur quoi ? Sur tout. Sur le fait que tu sois avec un mec qui a une prime de 6 millions. Sur le fait qu'on ait une fille et que je sois pas spécialement présent. Je sais que j'ai des défauts. Réellement, je sais que j'ai des défauts. J'en suis conscient. Je sais que je suis pas là pour vous deux. Je sais que je me trouve des excuses par moment en disant que je suis là pour l'argent, que je vous protège, que je vous assure un avenir. Et c'est pas ce que tu recherches et ce que elle aussi ne recherche pas. Et j'ai besoin que tu me dises les choses. Ça fait plaisir de l'entendre. Écoute, ce que je veux dire, c'est que je suis pas souvent là. Je suis pas souvent présent pour vous deux. Je passe pas de temps avec vous deux comme on devrait le faire, comme toute famille devrait le faire. Je prends juste le temps, là, actuellement, qu'on soit toi et moi et que la petite, elles sont en train de jouer pour te dire que je vais essayer de faire des efforts. Et même si je te le dis pas assez, je t'aime. Oh là là, mais quel BDG ! Oh là là ! Attends, moi, il lui dit pas ça ! Ah ! Ah, maman ! Comme ça, t'aurais deux versions différentes, pardon. Je suis la traite de menteuse. Non, ça, c'est... Tu voulais la mettre dans le coffre, pourquoi ? Parce qu'il y avait pas de place dans la voiture. Il y avait pas de place. Et tu l'as frappé et tu l'as roulé dessus, pourquoi ? J'ai certainement pas roulé sur Luna, si c'est elle dont tu parles. J'ai pas roulé sur Luna, c'est faux, elle ment ! T'as roulé sur ma femme, pourquoi ?
j'ai pas roulé sur votre femme. Ferme ta gueule, écoute, elle m'a dit les choses. Ah, maintenant, c'est soit tu assumes, soit vraiment je t'assure que tu vas rejoindre Lucifer lui-même. J'ai... Et je pèse mes mots, fils de pute, parce que t'iras pas au paradis. Travail de beatmaker, tu fermes ta gueule et tu fais ton taf et tout se passe bien. Ouais. Soit tu continues à poser des questions et tu continues à faire le fou, et là, tu vas mourir. Ça, ça vient de moi, c'est mes idées à moi. Maintenant, si mon petit démon pense quelque chose d'autre, t'es mort. Ok, mais je peux te dire un truc avant ? Alors écoute, ferme ta gueule, tu vas rester ici. Tu prends ton téléphone, t'es mort. Alors écoute Thomas, ouais t'inquiète, toujours. Ce monsieur a frappé ta femme, roulé sur ta femme, voulu mettre ta fille dans le coffre, et en plus, pose des questions sur toi. Eh, demande-leur, c'est grave géré ça. Merci Bichou. Sar, merci frère. Et Iris, elle comment a ça, dit, tu vas signer ma fille toi? Bah c'est WR, il a signé déjà. Signé ok, bah vas-y, c'est vas-y, artiste, continue, quoi. Ok, continue. Et du coup, on réfléchissait à des sons et Iris, elle a dit ouais, mon mari c'est l'Imbrabus. Ouais. Alors du coup, je lui dis ah ouais, moi je le connais pas, mais on merci, m'a posé des questions sur lui, la police m'a posé des questions sur lui. D'accord. C'est bizarre. Et du coup, après, elle me dit que en fait elle sort avec monsieur Dandan. Et après tu t'es dit ah ouais, c'est l'Imbrabus, c'est une prime de 6 millions, pourquoi je lui mettrais pas dans le cul pour être blindé? C'est ça que tu t'es dit? Non, pas vraiment. Non, c'est pas vraiment ça que tu t'es dit, fils de pute? Bah non. Ah non, OK, vas-y. Et pourquoi ça? Non, parce que WR, il m'a dit qu'il avait tué je sais pas combien de personnes et que c'était un fou furieux alors. Et alors? Bah alors j'ai pas envie de mourir. Tu pourrais y aller ou pas? En prison? Oui. Jour ou l'autre, je finirai par y aller, ouais, ma puce. OK. T'inquiète. Après, est-ce que je te ramènerai? Je sais pas. Ça dépend de toi aussi, hein. Bah, moi j'ai envie. T'as envie d'aller en prison? Ouais, ça a l'air bien. Ça, c'est bien la fille de son père. Et la plage. Ça, c'est la fille de son père. Là, tu me rends fier, là, tu vois. Là, tu l'entends que j'ai le sourire aux lèvres ou pas? Oui. C'est bien. Ouais. Sans moi? T'as son badge et tout? Bah, t'étais pas là. Non, alors non, la non. Signe, non. Y a deux quoi, c'est quoi ça? Ma fille, ça va être Maria Carré, là? Genre, non, Ariana Grande? Non, mais je vais être une star. Mais non, tu vas pas être une star. Non, tu vas pas être une star. Non. De mort. Non, mais non, ouais, tu vas pas être une star. Toi, mais tu vas être... si. Non, tu vas être une star. Oui, ma fille, tu peux être ce que tu veux tant que t'es pas une star. Non, tu vas pas être ce que tu veux. Si je veux pas être une star, je vais être une star. Mais elle peut être une star si elle veut être une star. Elle a du talent en plus. Non, tu vas chanter anonyme si tu veux. Non. Tu fais pas de clips. Tu fais de la musique si tu veux, tu fais pas des clips. Mais on en est pas au clip là, elle veut juste chanter, elle aime bien chanter. Oui, ben pour l'instant. Mais non, moi je. Non, mes frères, vous signez un contrat avec Universal sans moi, mais sérieux, ouais, j'en ai où là? Bah oui. Mais t'étais pas là? Zabi, c'est bon Zabi? Je suis dans le district, j'attends le jour de ma paix. T'es mal sans furie, me fait des rappels. Tes rappeurs, je vais les boire à la paille. Sans la hâte, ils parlent pas sur moi. Le jour de paye, bah je reçois des appels. Habit bien, tu m'as appairé. Nique ta mère, j'écoute pas les faux frères. Peut-être un jour, je commencerai ma carrière. Comme Nick Fury, un œil suffit pour toucher. Je suis dans la matrice, mets-toi devant, pas de pitié.